le match numéro 3 des finales de la D1 entre Épinal et Tours. C'est parti. Attention avec cette situation, la passe du revers. Le but était vide. Fujiri qui donne le palais et le palais de l'autre côté. Attention, il y a Enzo Cari qui est présent. Le tir. Il a cherché la dernière action, effectivement, le shoot qui touche le bâton. Cette maîtrise de ce match numéro 3. Gans. En désavantage numérique, lancé, dégagé. Attention à Rappen qui était en embuscade. Newsbury à gauche, le tir instantané, il y avait un rebond. Ouais. On continue de pousser Rappen au deuxième poteau cette fois-ci. Et c'est remporté une fois de plus par les Wildcats avec le tir sur réception. Oh, le tir qui vient tromper finalement Sébastien Raymond. C'est Rehorchak qui vient permettre à sa formation de prendre le pouvoir. Le shoot sur réception. Et c'est un shoot. Est-ce que ça a été mi-hauteur? Il est touché par dans sa disposition. Attention, Etsumbu qui accélère sur le côté gauche. Le tir, attention, c'est dévié. Oh, ça a failli tromper Antoine Bouvalo. Ouais. Forcément, ils ont l'avantage au score et ils vont tenter de temporiser. Oh, le petit coup. Prendre pour ce match numéro 3. Le pays. Ouais, attention avec Ayotte qui a cherché un premier jambes avec le tir qui est arrêté, la double parade. Oh, et derrière, le tir qui passe à côté. Qui avait poussé trop le palais là. Rappel au deuxième poteau. Il a temporisé pour venir longer ce palais dans la lucarne de Sébastien Raymond. Il a temporisé là, on va revoir effectivement. La passe, là, il reçoit le palais, il temporise et dans un angle impossible va chercher poteau barre et ça rentre. C'est le 2-0 pour Épinal. Quel but. Alors que, le palais. Mathieu Ruzza. Il va trouver Gantz, attention, et il y a des situations. Le tir qui est arrêté par Raymond. Et que c'est bien joué. Le décalage sur le côté, le tir sur réception. Pernaud qui est à l'origine et peut-être à la conclusion, la passe au deuxième poteau. Attention avec ce palais qui traîne, l'arrêt réflexe encore une fois d'Antoine Bonvalo qui est vraiment dans un grand soir. Et dévié Max Swin en angle fermé, il s'est couché sur ce palais. Antoine Bonvalo. Je crois que ça va revenir encore une fois. Ça a été dévié juste devant lui. Ils sont prêts à piquer là encore. Et le tir qui est arrêté par Martin, Sébastien Raymond. J'ai récupéré le palier dans la zone offensive. C'est vraiment. Il n'y a pas de pénalité appelée. Mais la mauvaise nouvelle pour Etourangeau, c'est que Kevin Lévesque rentre directement au vestiaire. Allez, qu'ils font bien circuler avec le tir qui vient toucher le montant. Est-ce que ça a tout fait trembler les filets? En tout cas, c'est ce que réclame le banc. Très chaude. C'est dur à dire. C'est très, en tout cas, c'est sûr que c'est pas le gardien qui l'a arrêté. Là, on va bien voir. Obligation de Kevin Martin. Attention avec Ayotte, relativement bien placé. Quel arrêt! Encore un superbe arrêt de la part d'Antoine Bonvalo. Et le tir lointain qui a été dévié. Antoine Bonvalo, s'il vous plaît, il est énorme dans cette rencontre. Dévié, attention, ça a été repris par Mitsubu. Avec Bélé Pelletier en pivot. Le tir qui a été contré. Et derrière, Alexandre Lubin. Qui vient tranquillement mettre ce palais en fond de zone. En dingue ici dans cette ville de Tours. C'est parti pour le troisième tiers-temps. Ce palais le met en fond de zone avec Esteban Rago. Rago, quelle est belle cette passe. Il était tout seul. Et le tir pas trop reculé. Ils veulent pas prendre de risque. Les Tourangeaux avec Ayotte qui est à la pointe. Ayotte, le décalage à droite, le tir puissant qui vient passer à côté. Ayotte qui se retourne, attention, c'était bien joué, c'était assez dévastateur. Toujours Antoine Bonvalo, il y a toujours une pièce d'équipement qui traîne pour venir stopper ce palais et l'empêcher de rentrer dans le but. Récupéré finalement. Ils sont partis, ils sont deux. Preston Hams pour Anthony Rappen. Le tir qui est manqué. Et quoi l'occasion là, Rappen qui est idéalement placé, qui a un peu dévié. Et des bons trous. Un petit glace qui est sorti. Attention, Markovic qui est passé. La passe au deuxième poteau, toujours pour Anthony Rappen. Encore 2 minutes et 2 secondes, encore à faire. Et peut-être que cette fin de rencontre va être complètement folle. Derrière la cage, on le redonne. La passe, elle était directement pour Newbury qui était au deuxième poteau, laissé complètement seul. Bien sûr, ils étaient un de plus, mais. Aucune chance pour Bonvalo. Pour la dernière minute de la saison de D1 avec Newbury qui a marqué un but il y a quelques instants. Newbury qui a failli passer et finalement qui a été contré. Il va peut-être y avoir une dernière occasion. 6 secondes encore à faire. C'est récupéré par Habs. Ils vont être champions de France. Le palais qui vient franchir la ligne. Le but du 3-1. La victoire
pour Épinal qui remporte 3 matchs successifs face au Rempart de Tours. Ce trophée, Épinal est champion de France de D1.